le monde, c'est Abricolerne pour la quatrième partie de mon let's play de la Ligue du Pokémon de Kalos. Et on va aller dans la dernière chambre. Chambre de la guivre. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Voici dans une salle avec de la purée de pois, des ailes de dragon qui s'ouvrent et qui sont un peu mal positionnées, mais bon. Et un dragon, enfin une tête. Et une dame au fond. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a du feu et de la fumée. On dit toujours qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais là c'est faux. Là il y a de la fumée alors qu'il n'y a pas de feu. Ouais, donc type de dragon. Voilà, tester. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? On va tester le dragon charge d'Yveltal. Donc c'est pour ça que je mets en premier dans mon équipe. Bonjour. Bon. Attends, une voix cool, celle d'Harmonie. Bonjour ma petite. Mes grands-parents viennent du contrée lointaine, si lointaine. Le village qui appartient au passé, le passé toujours présent. Et j'ai bercé dans les légendes de ce passé, bercé par l'histoire du Pokémon temps et du Pokémon spatial. Ce sont elles qui m'ont donné envie de devenir dresseur, de maîtriser le type dragon. Bah dis donc. Contre Dracena, même si ce prénom n'existe pas. Avec mon Pokémon préféré, Yveltal, un Pokémon légendaire. Ah, et donc on va tester Dracocharge, comme je l'ai dit. Pouf. Oh bah dis donc, c'est fort. Ah non. Ça va, ça ne m'a pas one-shoté. Donc là, on va faire mort. Ah mince, j'ai plus beaucoup de batterie dans ma pièce. Bon. Mortel! Donc là, on va refaire Dracocharge. Dracena, c'est la montre du conseil 4 qui m'a donné le plus de mal à la vaincre. Surtout son Cravarec est très dur à voir. Sauf quand on a un Pokémon qui n'est pas de type dragon ayant une attaque dragon. Altaria, là, c'est la fête, il est de type dragon et vole. Donc on va envoyer Rainbow. Et voilà, un Altaria. Maintenant, je vais lui faire Laser et Glace. Oh, il fait couteau garde. Hop, one shoté. Niveau 61. Alors, Dracarmine, qui connaît un Pokémon de type dragon seulement. Alors, Altaria de type dragon vol et Cravarec de type dragon poison. Oh. Donc c'est dangereux, Dracarmine, car il peut connaître Explo Force. Alors c'est pour ça que je vais envoyer notre Yveltal. Bon, alors Dracena, elle m'a donné pas beaucoup de problèmes, sauf pour... Non, elle m'a donné en moitié du problème. Altaria et Bruverne, ils ont été simples. Les deux autres, pas du tout. Voilà, Dracarmine. Donc je fais Dracocharge. Oh, mais non, non. Oh, faut pas qu'il envoie Dragmara. Oh non, mais c'est du... Ils ont fait exprès ou quoi? Donc là, il va faire Explo Force, Explo Force, blablabla. C'est pour ça que j'aime pas, il a Draco que. Oh non, ah oui, c'était Vendetta, pas Explo Force. Oh, critique. Donc là, je vais vraiment me soigner.
Vendetta. Vendetta, normalement, en espagnol, je crois, ça veut dire revanche. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi, j'ai remarqué que représailles, vendetta, vengeance et rancune sont quatre attaques qui veulent dire la même chose, mais elles n'ont pas le même effet. Quoi? Attends, il a fait... Oh, Jaggy! Bon, il va être rapidement vaincu avec un retour. Non! Mais donc, il me donne du pain sur la planche. Ah. Allez, donc, on va réenvoyer Yveltal. J'ai plus beaucoup de batterie par contre, comme vous voyez. Il faut que cette partie se termine et en vitesse. Vendetta. Oh purée. Bon, je vais tester Dracocharge. Allez, c'est le tout pour le tout. Ah bah oui, c'était bien le tout pour le tout, il est mort. Pas dur. Pardon. Ah. Donc logiquement, Dracena n'a déjà plus qu'un seul Pokémon. Enfin, je dis déjà, non. Bruit Verne de type Dragon évolue également, donc j'ai envoyé Rainbow. Par contre, il connaît une attaque, je vous le dis, elle est énorme. Bon, un Bruit Verne. Fouille de Bruit Verne. Il a décelé Pierre Dure. C'est pas grave parce que moi je vais faire Laser Glass. Ah, Dracochoc. Normalement, il connaît une autre attaque. Je m'en souviens plus comment ça s'appelle. Laissez un commentaire si vous vous souvenez du nom d'attaque. Attends, je vais essayer de me rappeler. Ouais, bon. Merci à tous. C'est l'attaque de son qu'apprend Bruit Verne et Brouabam. Mes aïeux, cela aura été court. Pardon. Au plaisir de me trouver pour un nouveau combat. Je fonds, ton équipe et toi sont à croquer. Oh, merci. Quoi? Coucou. Bonne chance. Tu as réussi à vaincre le conseil 4 dans son intégralité. Je suis fier de toi. Bravo. Bon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez mes vidéos, pour suivre mes vidéos, blablabla.